Et on démarre semaine européenne oblige par un flashback sur la quatrième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions qui s'est donc tenue mardi et mercredi et qui a été marquée par la qualification des six clubs pour les huitièmes des finales, mais aussi par la défaite à Copenhague de Manchester United qui se retrouve en dernière position de son groupe. Croyez-vous encore en la qualification du club anglais pour les huitièmes des finales? C'est une question que soulève pour nous ce soir Maxime Pelletier. La question est posée hein, et pour vous aider à y répondre, regardez le classement de ce groupe A de la Ligue des Champions à deux journées de la fin. Manchester United qui est en dernière position, devancé par Copenhague et Galatasaray. Et sachant Nabil Djellit que lors de la prochaine journée, les Red Devils se déplaceront dans l'enfer d'Istanbul pour rencontrer Galatasaray. On commence le petit tour de table par vous. Est-ce que vous y croyez encore? En fait, le truc, c'est que le miracle, c'est qu'ils soient encore concernés, en fait. Ah. Parce que dans un monde normal, ils devraient déjà être éliminés quasiment, quoi. Dans un groupe avec Copenhague et Galatasaray? Dans un tel groupe, justement. Parce que c'est une équipe qui est en dessous de tout, Manchester United. Elle est encore en vie grâce à Onana, qui a arrêté un pénalty au match aller face à Copenhague. Elle n'est pas invitée à haut niveau. Elle devrait être dans les talons du Bayern de Munich, pas au niveau du Bayern, mais elle n'est pas. Aujourd'hui, elle est quasiment, si c'était un championnat, elle serait quasiment reléguée. Pour moi, la Manchester United, j'y crois pas. Galatasaray, ils ont une balle de match, ils jouent à domicile, ils vont mettre le feu. En face, ils tremblent, le ballon leur chauffe les pieds. Et puis, même s'ils s'en sortent du côté de Galatasaray, moi, je vous donne rendez-vous pour le dernier match, parce que dans le sujet, on parlait du fait que le Bayern allait faire tourner, mais on ne sait pas qu'historiquement, le Bayern déteste Manchester United. C'est pas une équipe qui fait des cadeaux. Ils feront pas de cadeaux. Ouais. Donc moi je veux bien faire l'émission sur Manchester United, mais pour moi c'est terminé. Fousseni, vous avez commenté ce match hein, entre Copenhague et Manchester United. Est-ce que vous êtes aussi interloqué? Oui, clairement, je rejoins complètement Nabil. Quand on veut espérer se qualifier, on doit montrer autre chose, mais on peut pas se qualifier en étant aussi fébrile sur un plan défensif. Ce qui est paradoxal, c'est que 4 buts contre Copenhague. Même si c'est un infériorité numérique. Oui, c'est vrai, ça a tout changé. Hein, ce carton rouge de Rashford, je pense qu'il leur fait très mal. Copenhague. Mais... Non, mais attention, on parle d'une équipe quand même qui est très difficile à manœuvrer à domicile. Mais pour revenir à Manchester, quand on écoute Ten Hag, il a raison. C'est une équipe quand même qui veut proposer du jeu. On voit des choses intéressantes. Vraiment, dans les intentions, surtout les défaites à ses dans les circuits, dans les sorties de balles, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais pourquoi ça marche pas? Non, mais le problème, c'est quand l'adversaire a le ballon. Qu'il soit en bloc bas, qu'il soit haut et qu'il se fasse contrer. Ils sont tout le temps mis en difficulté. Et quand l'adversaire ne les met pas en difficulté, ils arrivent à se mettre en difficulté tout seuls. Avec Maguire, ils ont été obligés de rappeler Johnny Evans, qui était à Leicester, qui a 35 ans, qui s'est blessé hier. On fait rentrer Raphaël Varane, on se dit, il va apporter son expérience. En Ligue des Champions, c'est quand même. C'est le plus fébrile de tous. Donc, c'est incompréhensible de voir une équipe qui a aucune structure, aucune solidité. Ils marquent pas beaucoup. Non, ils marquent des buts, hein, parce que le match qu'ils font à Galatasaray, quand même, ils perdent 3-2 à domicile. Il y a des choses offensivement. Il y a des joueurs de qualité. On a quand même Rashford, on a Bruno Fernandes. Mais Manchester United ne doit pas être à ce niveau-là. Non, c'est pas possible. Je pense que collectivement, c'est beaucoup trop fébrile pour espérer aller en huitième de finale, même face à cet adversaire. Le Galatasaray que je vois cette saison est beaucoup plus fort. Et Copenhague a montré hier que sur un match, pouvait dominer ce Manchester. C'est vrai que pour se projeter, hein, on essaie d'évaluer hein, les chances de qualification. On a parlé de ce match du 29 novembre à Istanbul contre Galatasaray. La dernière journée, Nabil l'a dit, c'est contre le Bayern. Certes, à domicile, le Bayern sera qualifié, est déjà qualifié donc pour les huitièmes de finale. C'est un calendrier qui est quand même compliqué. Au Bayern, il faut aller faire un résultat à Galatasaray. Déjà, voilà. Ça complique la situation. Après, moi, quand même, hier, quand tu mènes 2-0, tu prends un expulsé. Moi, ça me semble être volé. Rashford, il prend la jambe, mais il veut protéger son ballon et ça fait carton rouge. Vous voulez qu'on puisse remettre l'image? Vous pensez que c'est une expulsion justifiée? C'est involontaire, mais lui fait mal. À la vidéo, le mec, en temps réel, il voit autre chose parce que l'intention, c'est pas ça. Ouais. Donc c'est à la vidéo qu'on voit ça. L'intention, c'est pas ça, c'est sûr. C'est dangereux, son intention, c'est pas celle-là. Ouais, mais si je te casse la jambe et je fais pas exprès. Ouais, voilà, exactement. C'est arrivé plein de fois. T'as quand même la jambe cassée, quoi. Tu peux casser la jambe à quelqu'un sur un truc très léger.
Mais tu dois quand même, par exemple. Non, mais sur ça, on peut même pas maîtriser. C'est un point de règlement en fait qui est très clair. C'est surtout sur. D'ailleurs, ils discutent de l'arbitrage vidéo au rugby. Ils y reviendront aussi au football. Il ne faut pas surinterpréter ce geste. C'est pas un geste. Parce que lui, il veut protéger. Il regarde même pas. C'est normal qu'il comprend pas. Il veut protéger son ballon. Ça fait un moment qu'il comprend rien. Il fait pas mettre de patte à la glace sur la cheville de son adversaire. Il marche comme dessus. Je sais. C'est pour ça que je sais. Est-ce que tu penses que ce Manchester United peut sortir des poules de la LDC, de la Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. On va parler des Reds et des Wolves. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Manchester United, je rappelle, ils sont dans la poule du Bayern de Munich, la poule de Copenhague, de Galatasaray. Et du coup, donc, Manchester United, ils ont fait l'espoir de perdre leur match face à Copenhague. Un match dont tout avait pourtant bien commencé. Manchester United menait 2-0, 2-0. Bizarrement, ils perdent 4-3 avec un Rashford qui a complètement plombé son équipe. Un Rashford qui a complètement plombé son équipe. C'est inadmissible que au très très nouveau fait ce genre de faute, c'est vraiment stupide. Il a pris un bête carton rouge. Un carton rouge qui a plombé complètement son équipe. Complètement, les gars. Donc, au final, donc, le Bayern de Munich est premier avec 12 points. Copenhague est deuxième avec 4 points. Galatasaray est troisième avec 4 points et Manchester United est bon dernier, c'est-à-dire quatrième avec 3 points. Est-ce que tu penses que United peut renverser la vapeur? Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir de poule? Moi, je pense que les gars, c'est déjà un miracle même de voir Manchester United encore en course même. Parce que vu leur performance catastrophique, c'est une équipe qui devait déjà être éliminée depuis, les gars, c'est une équipe qui manque cruellement de confiance. Pour moi, ce n'est pas forcément Erik ten Hag qui est le principal responsable. Moi, je pense que Manchester United a une défense catastrophique. C'est la plus mauvaise défense pour moi en Europe même. Dans les 5 grands championnats, pour moi, dans les 5 grands championnats, Manchester United, c'est la plus mauvaise des défenses. Ils sont tellement mauvais, moribonds. Tu as un Marcus Rashford qui est complètement à côté de la plaque. Il est catastrophique à l'image de son match face à Copenhague. Là où il prend le carton rouge, un bête carton rouge qui plombe complètement son équipe. Il prend un bête carton rouge, les gars. Rashford, c'est un but. Hein? Un but marqué. Un but marqué, les gars. C'est vraiment très faible, pour ne pas dire médiocre. Donc, ce match-là, pour moi, ils n'ont pas une défense. La défense est très, très mauvaise. Ensuite, je trouve que les cadres n'arrivent pas à prendre le lead. Les cadres n'arrivent pas à retrouver leur niveau. Les cadres sont souvent disparates. Ils disparaissent souvent dans les gros matchs. Je pense à Casemiro, qui a complètement disparu de la circulation. Casemiro a disparu de la circulation. Je pense à Bruno Fernandes, qui est souvent transparent dans les gros matchs. Je pense à Marcus Rashford qui est catastrophique, un but, je pense, en 15e match, un truc de ce genre, un but marqué, les gars. Donc, tu as vraiment une équipe qui est en perte de confiance, qui manque cruellement de confiance. Lorsqu'on sait que dans le foot, le meilleur ennemi du footballeur, c'est la confiance. Lorsqu'un footballeur manque de confiance, c'est très grave. C'est très, très, très grave. C'est très grave. Et je trouve aussi que Manchester United n'a pas un vrai numéro 9 type Erling Haaland, type Lewandowski, Harry Kane. Pourtant, je trouve que Harry Kane pouvait leur faire du bien. Harry Kane pouvait leur faire du bien. Donc, tu as un Manchester United qui n'a pas de vrai neuf, qui n'a pas de défense, qui a des joueurs qui sont vraiment en méforme ou en fin de carrière. Je pense à Eriksen,
qui est l'ombre de lui-même par rapport à la saison dernière. Tu as un coach qui est perdu. Parce que Ten Hag, actuellement, il est perdu. Hein. Il a tout essayé. Si tu vois, il fait revenir Maguire en défense centrale. Ça dit tout. Ça montre qu'il est complètement perdu. Il est complètement perdu, le mec. Il ne sait plus où mettre les pieds. Et lorsqu'un coach est perdu, ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Si moi, je suis dirigeant de Manchester United, est-ce que je vis Ten Hag? Pour moi, les gars, lorsque le coach n'arrive plus à trouver les idées, pour moi, il faut le virer. Ce n'est pas qu'il est mauvais. Ten Hag n'est pas mauvais. C'est juste que, pour l'instant, il n'arrive plus à trouver les idées. Il n'arrive plus. Et ça conduit Manchester United au fin fond du trou. Est-ce qu'ils vont sortir des poules? Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils ont un match très compliqué à Galatasaray, en Turquie. On sait qu'en Turquie, l'ambiance de Turquie est souvent chaud bouillon. Ensuite, ils vont recevoir le Bayern de Munich. Certes, le Bayern serait à qualifier, mais est-ce que le Bayern va leur faire des cadeaux? Est-ce que le Bayern va leur faire des cadeaux? Là, c'est toute la question. Donc, moi, je ne vois pas Manchester United se qualifier. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Manchester United va se qualifier? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont ces dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.